Bonne année. Bonne année et bienvenue de retour sur ces nouveaux tirages pour 2022. Alors, je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction où je vous raconte tout, 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 tout est dit. Donc, on va directement au tirage du message que vous avez besoin d'entendre, qui s'invite à vous ici, pour vous, mes amis lions. Ascendant ou signe lunaire, hein. Complétez, sachez aller chercher l'information où elle est si vous êtes en quête de message. Qui ne l'est pas entre nous. Deuxième carte, la complémentaire, le détail qui viendra préciser certaines choses. Et la troisième carte, oh, elle s'invitait presque. Allez, vous savez quoi? Je la prends. On y va pour vous, les lions. Silence. Que dire? Le silence s'invite. Revenez sur votre intériorité. Faites silence. Ça peut souvent dire, oui, prenez le temps de méditer. Mais moi, là, j'entends une chose. Gardez l'énergie pour vous. Ne partagez pas vos idées, ne partagez pas vos intentions. Restez concentré, restez focus, restez en vous pour faire naître les actions. Les choses qui ont besoin d'émerger dans votre vie, dans vos projets. Le silence, c'est ce retour intérieur. Vous allez sentir où c'est juste, si c'est bon, si c'est le bon moment pour dire quelque chose, si c'est le bon moment pour poser une action. Voilà, c'est ça qui s'invite. N'en parlez pas autour de vous, n'êtes pas là. Vous savez, le lion, hein, un petit peu, toujours dans cette énergie très forte extérieure, très yang. Eh bien, c'est une énergie ying qui se propose à vous. En plus, c'est le 17. Le 17, vous savez, au tarot, c'est l'étoile. C'est ce à quoi vous aspirez, ce qui vous inspire. Voilà ce qui s'invite ici, chers amis lions. Écoutez ça, écoutez ça. On va aller regarder un petit peu plus en détail. Oui, eh bien, c'est de ça dont il s'agit. Vous avez des projets, vous êtes avec des partenaires, vous ne travaillez pas seul, vous avez envie d'œuvrer avec d'autres personnes. Vous êtes invité dans cette intériorité au niveau des idées, des énergies, je dirais, d'inspiration à faire ce silence pour l'instant, ne pas tout partager ou ne pas tout donner aux autres. Alors dans le sens, ce n'est pas que vous passez votre temps à donner des idées aux uns et aux autres, c'est que vous exprimez tellement tout ce qui rayonne en vous que du coup, il y a une forme de, allez, je vais le dire, de déperdition comme ça. Hein. Si vous voulez être un bon partenaire ou vous trouvez les bons appuis, faire les bonnes reliances, voilà, vous êtes invité en ce moment à avoir cette petite... concentration intérieure. Voyons la carte ressources. C'est l'arbre. Ancrez-vous. L'arbre, il est droit. Ça peut représenter la santé. Hein. C'est prenez soin de cette intériorité, de vous. L'arbre, moi, je dis que l'arbre aussi m'évoque la patience. Hein. Regardez, je vous ai parlé du 17. L'étoile, on la retrouve. Je trouve ça mignon quand même en termes de signes. Patience, patience. Ne courez pas dans tous les sens, n'exprimez pas à tout le monde, ne parlez pas trop de votre projet. Prenez le temps de l'ancrer, de l'enraciner, de planter la graine. Hein. Prenez ce temps-là, chers amis lions. J'aimerais bien votre petit commentaire pour me dire si ça vous parle. Mettez-moi un petit like aussi parce que ça va favoriser. Eh bien... le partage de ces vidéos sur YouTube, comme ça, ben, si d'autres lions ont besoin d'entendre ce message-là, ça pourra se répandre. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je vous dis à très bientôt pour la suite des messages inspirants et intuitifs. À bientôt.